Et oui, bonjour à tous, bonjour YouTube, la suite de Rock Manager, la mission, l'avant-avant-dernière mission, les Space Cadets, groupe créé de toutes pièces, ouvrais artistes. Ah oui, les Space Cadets franchiront-ils le pas? Ça y est, tout me revient en mémoire, tout me revient en mémoire, la pire mission du jeu. C'est parti, on va vraiment s'emmerder. Est-ce que vous êtes prêts à de l'emmerdement maximal? Car c'est tout de suite, c'est maintenant, chez vous, indice en bas de votre écran. Allez, c'est parti. Allez. Est-ce que le jeu va planter? Tout est possible. Oh, j'ai laissé le jeu 2 secondes. Ah, c'est bon. Eh mec, moi qui ai toujours détesté ces costumes, ça va être un plaisir de m'en débarrasser. Cette histoire à la con d'homme de l'espace me rend dingue, mec, et c'est pas cool du tout. Il faut nous interroger sur notre avenir à long terme. Tu sais, mec, je suis hyper content que les gens aient bien aimé, mais va falloir qu'on avance, hein. La musique doit avoir une âme, quelque chose de profond. C'est vrai. Enfin, c'est ce que je pense. Ah, ça va être génial de tout recommencer! Avec notre talent et tes qualités de manager, ça va le faire, pas vrai? Alors, exactement, Odin. Je rappelle qu'on est dans les années 2001, tout est possible. Commencez pas à vous énerver. Prenez un groupe déguisé en astronaute dont le look intéressera les médias. Ajoutez-y une chanson bien produite et faites-en quelque chose de sérieux. Les Space Cadets se considèrent comme de vrais artistes et tout ce que vous avez à faire, c'est d'en convaincre la presse. Donc, formez. Alors non, on ne forme pas le groupe parce qu'ils sont déjà présents, donc c'est un groupe de merde. On va acheter le droit d'une chanson, enregistrer une maquette, sortir un album, vendre 10 000 exemplaires et obtenir de bonnes critiques. C'est là où ça va commencer à être un petit peu compliqué. Anyway. Le groupe est là, alors. Ouais, musicalité Je image, ça va? crois que certains commencent à réaliser qu'on a un bon potentiel. Pop dance? Non, ça va? Non, ça Et va? ça tourne bien là, c'est cool! Oui, ça tourne bien! pardon. Ah, j'ai pas le droit, moi. Par contre, c'est dans le jeu, moi, je suis pas 2001, par contre. Désolé. C'est trop fort! Ouais, ça va. J'adore ce qu'on fait. On va devenir des Alors stars, pourquoi il y a un pas vrai, batteur punk, on mec? sait pas. Ok. Alors, le problème c'est que oui, normalement on peut aller voir Sergueï là, mais je sais pas où il est. Normalement on peut aller voir Sergueï. Mais bon, anyway, on va choper un morceau. Je sais plus si on l'avait fait celui-là ou pas. C'est du bon capot. Ah putain, c'est pas mal. Ah mais il n'y a pas assez de potentiel. Ah si, potentiel c'est middle. Non, pas assez de potentiel. Ah mais là il y a du potentiel à... On l'a déjà faite celle-ci. Ah c'est pas mal ça. Enfin en termes de stats. Ça aurait été marrant celle-là. Celle-ci, elle m'enjaillait bien là, foie gras. Et voyons voir ici. Ah, ça c'est rigolo ça, c'est pas mal ça. Ça va coûter, ça coûte cher, mais bon. Ah ouais, on fait ça, non? Can resist this feeling. Avec ses harmonies proprettes et ses paroles sages, cette chanson par contre arrivera à les belles-mères, idéale pour les mi-temps de match et les inaugurations présidentielles. Allez, vas-y, je suis chaud. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Oh putain, avec le studio juste après. Les Afropunk, exactement. Putain. Avec le studio d'après, putain, ça va. Oh! Va pas falloir faire les cons. Alors, on a tout claqué, on a claqué le RSA. Très bien. Ok, alors, un petit délai sur la voix. You really drive. Non, pas le temps, pas le temps. You really drive me crazy. Ok, ça doit le faire. You really drive me crazy.
Voilà, il nous voit bien, on n'a pas besoin de trop de reverb. Hein. You really drive me crazy. Peut-être un peu moins de decay. You really drive me crazy. Ah, pas mal. You really drive me crazy. You really turn me on. Ok. Alors la batterie, régulier. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Manchester. Oh! C'est moins compliqué que Cubase, j'avoue. Non, il faut un truc, lent. Ah. Ah, l'autre était mieux. Je préfère. On va prendre Manchester. Alors, au niveau de la guitare, de la distorsion. Ok, chic. Ah oui! Probablement. Mais on va pas avoir les moyens, Wadden. Faut peut-être lui mettre le flanger. La basse naturelle, slap. Oh yeah. On continue. Non, pas continue. Ça va pas le faire. C'est les c'est nouveau Red Hot. Peut-être un peu trop de batterie du coup. You really drive me crazy. You really turn me on. I can't resist this. Est-ce que le flanger est un peu trop peut-être? You really drive me crazy. You really turn me on. I can't resist this feeling. Let's go dancing. I can't control my body. I can't deny my soul. I can't resist this feeling, take me dance. Juste revoir, attends, je teste le cerveau. You really drive me crazy. You really turn me on. Ça marche aussi. I can't resist this feeling, let's go dancing. Ouais, je... I can't control my body. Et un test avec le Manchester. You really drive me crazy. Non, c'est mieux la batterie régulière, c'est vraiment mieux. Really drive me crazy. C'est pas mal, you ouais. Really turn me on. I can't resist this feeling. Let's go dancing. I can't control my body. Et là, on peut peut-être tenter le continu. You really drive me crazy. You really turn me on. Et on va remettre. You really drive me crazy. You really turn me on. Allez, moi j'aurais envie de mettre lui slap parce que. You really drive me crazy. You really turn me on. I can't resist this feeling. Let's go dancing. I can't control my body. I can't deny my soul. I can't resist this feeling. Take me dancing. You really drive me crazy. You really turn me on. J'aimerais bien que ça soit un peu discret, pardon. I can't resist this feeling. Let's go dancing. You really drive me crazy. Ça aurait pu être cool avec un ou deux musiciens de session en plus, peut-être un petit clavier et tout. Ça aurait pu être cool, mais voilà. Bon, on va garder ça. Et là, on espère que... On espère qu'on va pas tomber... On va pas tomber en banqueroute. Ok, c'est parti. Le design. Alors, faut signer Global Records. Ah, c'est peut-être être trop pop. Je crois que vous tenez quelque chose là. Il reste encore beaucoup de travail, c'est sûr, mais. Tant d'avance ? Beaucoup de potentiel. Mais on a idée des génies ?
Je peux pas avoir plus de 5%. J'ai que 10 000 albums à vendre. Putain, allez, je prends max pognon. Ok, tout le monde est assez content. Elle un Dégage, peu... j'ai pas envie de te parler maintenant. Elle veut prendre des vacances, on va lui acheter des lunettes de soleil. Waouh! Ok. On va faire un premier concert, évidemment. Et on va sortir l'album, surtout. Mais c'est pas grave. Caroline, tu es affreux. En souvenir du bon vieux temps, le groupe de Space Cadets a conservé sa mascotte, un hamster baptisé Affreux. Les affreux punks. Salut Cobra. C'est ça exactement, Shiva. Le rongeur a tragiquement trouvé la mort aujourd'hui lorsque Caroline a marché dessus, le transperçant avec son talon aiguille. Le groupe est sous le choc, certains voient cela comme un mauvais présage. Caroline n'a pas l'air très affectée par la mort d'Affreux, proposant même d'acheter un nouveau rat si nécessaire. Bon, ça a l'air d'aller. Oh, je suis tellement, tellement, tellement contente. Très bien. Design Studio, vite. Faut sortir l'album. On va mettre tout le monde. On va mettre un truc qui coûte cher. Mur de feu, non. L'argent, non, peut-être pas. La lune, hein, la lune. Space machin, donc la lune. Oh putain, c'est tellement ridicule. C'est presque parfait. C'en est presque parfait tellement c'est ridicule. Ah, le chrome, ça coûte de l'argent. Pour moi, chrome, tout ce que ça coûte, c'est 50... Oh putain, oh oui. Évidemment, voilà, The Space Cadets, c'est parti. La sortie de l'album pour bientôt, on va faire la promo avant. Putain, sur scène, Roy échappe de justesse à la chute d'un immense mur d'ampli. Le groupe continue à jouer, mais le son est un peu bizarre. Bon, ça va, on a gagné 1000 balles. Bonjour. Des dossiers de presse pour tout le monde. Zéro Magazine, je peux vous... Allez, prends. Vous lisez dans mes... Ouais, 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 allez, tiens. Ah, c'est vous. On va faire un clip. Vous êtes... Un clip qui va coûter un peu de pognon, je pense. 19 000. Concept miniature. Non. Gangster. Bienvenue dans la jungle. Route de nuit, soir à la maison. Enlèvement. Wembley. Danse avec les loulous, balade en voiture. Le match. Séance en... On va faire un petit séance d'enregistrement. Ah non, peut-être pas. Faut... Ah. Qu'est-ce qui coûtait cher, là? Il y avait un truc à 19 000. Non, faut pas que ça soit trop long à produire non plus. Gangster ? Allez. Ça fait... Ah, c'est 8 jours. C'est long, c'est long. Non, faut pas que ça soit trop long. Ouais, route de nuit. Voilà, très bien. Ça, y est, ça ira... On va faire le clip. Ok. Rockpit, ils vont peut-être pas vouloir nous programmer, en effet. On va aller au Mirror Ball, mais c'est 10 000 balles. C'est pas pour tout de suite. Ok. Vidéoclip terminé, on le livre là-bas. Bonjour. J'ai bien aimé. Et là, on bourre. Bonjour. C'est moi que vous êtes venu voir. On bourre la pub. Pour la sortie de l'album. Le spot. Salut, les... je peux vous. Eh ouais, ouais, tu vas m'aider, mon gars. On va le mettre en vitrine, mon gars. Direct en vitrine. On va le mettre en vitrine pour 13 jours, pour 2 semaines même. On a de l'argent, on va pas se faire chier. Bonjour, je peux vous aider? Est-ce qu'on peut faire un peu de pub à la télé? On peut. Publicité pendant juste 2 jours. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, elle est pas trop contente. Oh, mais je te supporte pas, mec! Va aller en vacances. Petit week-end. Petit week-end à la campagne, là. Quoi? J'ai pas l'air assez détendu ou quoi? Oh, putain, merde, elle est pas contente! Oh la saloperie! J'adore ce qu'on. Ah, j'ai eu. Ne me fais pas rire. Et dès qu'elle revient, on refait un concert. Ok. Bon, lui, il est toujours. Le punk est toujours content. Salut les gars! Me revoilà! Ah, elle est contente. Non, pas vraiment. Oh, mais. Putain, mais elle me fait chier. Une guitare, elle s'en bat les couilles. Une super sono. J'aime bien!
Ok. Article City News. Le critique, Douglas Marvel de City News se sent insulté par Can't Resist His Feeling. C'est un crachat au visage de tous les amateurs de musique. Tous ceux qui ont participé à l'enregistrement ou à la distribution de ce disque ignoble devraient être exécutés pour crime contre l'humanité. Je crois que si le diable existe, le groupe The Space Cadets en est l'incarnation. Désormais, en tant que journaliste musical, je promets de tout faire pour combattre cette abomination que représente le groupe The Space Cadets. Le pire article jamais sort et jamais écrit. 0 sur 5. Putain, mais les gros bâtards! Oh putain! Alors bon, top 10 du vent du disquaire, c'est des... Aïe, ça fait mal! Putain, oh, il s'est cassé un pied pendant le premier concert, pendant le premier morceau, mais putain, c'est quoi ces mecs? Il s'approche du bord de la scène pour saluer le public, mais il trébuche, tombe de la scène et se casse un pied. Les rodils traînent en backstage et les musiciens continuent à jouer. Au bout de quelques minutes, ils s'arrêtent et s'en vont sous les huées du public. Roy devrait porter un plaid pendant quelques semaines. Bon, on a quand même fait 6000 balles et ça le comble. C'est quand même pas mal. On va faire un concert quand il reviendra. Ok. Mais putain, mais je suis sûr qu'on pouvait aller voir... Ah oui, il est là. Salut. T'as besoin d'un coup de main? Ah, il est là, Sergueï. Meurtre sur scène. Les avocats de Sergueï sont à disposition si vous payez. Sécurité. La finance est une spécialité. Consultation générale. Ah putain, trafiquer les classements des ventes. C'est parfait. Ouais, ok, c'est ma grande spécialité. N'y a pas de problème. Je savais bien qu'on pouvait faire des arnaques. Emprunter de l'argent, non. Scandale. Alerte à la bombe. Ah, les photos à moitié nues, et elles sont là. Solliciter les paparazzi. Meurtre sur scène, conseil juridique. Les gardes du corps. Non. Ces troupes sont très compétents et très violents. Ah, il était là, putain. Je l'ai retrouvé, ça y est. Alors, au niveau des ventes, on en est où? Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais voir les ventes. Non, je voulais voir, classement. Cinquième, hein. Cinquième, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, faut que je fasse la fête. Hé, les filles. Faut que je fasse la fête. Ok. Mais alors, je comprends pas bien, quand ils veulent faire la fête, est-ce que c'est un concert? Est-ce que c'est... Ça, je suis pas bien sûr. Ah ouais. Putain. Mais Roy, exhibitionniste, quel enfer! Le concert est interrompu par la police qui fait irruption pour arrêter Roy. Il est entré sur scène entièrement nu et les forces de l'ordre ont dû l'arrêter. Roy est relâché quelques heures plus tard, mais habillé. Aucune charge n'est retenue contre lui, c'est bon. Bon, on a fait quand même 17 000 balles. Heureusement. Heureusement, ça s'est bien passé. Marvel revient à la charge. Ce cinglé de Douglas Marvel revient à la charge dans City News. Can't Resist This Feeling est tellement mauvais que je n'endors plus. Plus je l'écoute, plus je le déteste. Pitié, faites que ce cauchemar s'arrête, qu'on me torture, qu'on me plante des aiguilles sous les ongles et qu'on me brûle les cheveux. Qu'importe, pourvu que je n'entende plus le boucan insupportable, gros. Le boucan insupportable, oui, du groupe de Space Cadets. Ce sera eux ou moi. Doug perd les pédales. Mais putain, mais quel enfer. Oh là là. Salut Tommy. Il manque plus que Raymond, j'avoue. Ok. Salut, je peux vous aider? On va continuer les petites promos. Au beau milieu du concert, Roy putain pète les plombs et saute dans la foule. Un rodis précipite sur scène pour tirer sur le câble du micro. Il récupère le micro, mais Roy a disparu. Le groupe continue à jouer, mais puis il s'arrête et quitte la scène. Le public hue, mais Roy est introuvable. Putain, mais ce Roy... Mais c'est le pire de tous! Ça commence à... Bientôt, nous jouerons dans le monde entier. Pas vrai? J'adore ce qu'on fait. C'est tellement original. Mais c'est-à-dire quoi, venir prendre des vacances? Se mettre sur une île déserte, ça? Merci. Ça va me faire du bien, l'air. Allez, toi bientôt aussi. Bientôt, nous jouerons dans le monde. Ah, les vacances, c'est ça. Ok. Bon, pendant que Roy a disparu, on partit en vacances, ça va leur faire du bien. On va faire de la pub. Bonjour et bienvenue à Radio FM. On est sixième, c'est pas mal. Faut que ça continue. 50 000 balles, ok. Alors, c'est des vendus. Putain, 144 000. Par contre, c'est obtenir de bonnes critiques qui est compliqué. Ah,
oui, da. Les groupes, hein, votre groupe distribue des t-shirts et des flyers. Bien dit, manager. Tu... Faux fan. Ah. Héros, traf... Ok. Ok, j'y suis. Attention les filles, Roy est de retour. Roy revient 3 jours après sa disparition. Elle arrive au local, toujours vêtue de son costume de scène. Il ne dit se souvenir de rien, sauf de s'être fait raccompagner chez lui par des filles sympas. Il aurait roulé environ 3 heures, ce qui paraît un peu bizarre, sachant qu'il n'habite pas très loin du local de répétition. Putain, quel enfer ce Roy. Alors, The Mirror Ball, c'est trop tôt. On va retourner au café Lisette dès que les filles reviennent de vacances. Ah, je peux pas encore jouer ici. Alors attention au sous. D'avoir les bonnes critiques, salut les gars, me revoilà. Qu'est-ce que vous avez pu me manquer? Ouais, bah ils sont pas super contents, les relous. Les membres du groupe provoquent un scandale en revenant sur scène complètement nus pour le rappel. Le public est ravi et les photographes aussi. Non mais quel enfer hein, ce groupe. Putain, 6000 balles. C'est un vrai porc. Alors, on frappe à la porte du local et vous n'en revenez pas de voir ce cinglé de Douglas Marvel, les cheveux hirsutes, tenant une immense pancarte sur laquelle on peut lire « The Space Cadet, ça suffit ». Il a tenu à dire aux membres du groupe ce qu'ils pensent d'eux. Il leur demande humblement de trouver un autre moyen d'expression que la musique, puis il s'en va aussi vite qu'il est arrivé. Ce type est vraiment réel. Un groupe de fans attend les autographes devant le local, certains ont des fleurs et des cadeaux, le groupe est très touché par cette attention. Cette soudaine démonstration d'affection éveille l'intérêt des médias. Parfait. C'est le coursier ? Ah non, c'est vous. C'est qui fait des... C'est City News ? Ou c'est... Vous avez dit manager. Non, c'est City News. C'est le coursier ? Qui nous casse les couilles. Ah non, c'est... Mais regardez qui voilà ! Quelle bonne surprise ! Comment ça va ? Ah, c'est City News, on est d'accord. Ok. Voilà, attendez. Ouais, c'est ce que je pense. Ah, c'est vous. Je vais vous faire des vacances. Redescendez sur Terre, c'est trop. Les gens ne sont pas bêtes, vous savez, ils comprendront vite. Ouais. Oh putain, c'est trop risqué de jouer là. Ah, je flippe à mort. Peter est très perturbé par les critiques des médias et de Douglas en particulier sur le groupe. Il remet tout en question. Il envisage même d'arrêter la musique pour devenir serveur, mais non. Hop, un petit concert ici pour regagner des sous. Il va falloir continuer à vendre des albums. Ouais, code de l'album est vraiment bien. C'est rigolo, on va prendre un rappel de tout ce qu'on a fait. Très bien. Oh, on a le Mirror Ball plein. On peut se permettre d'aller jouer ici dès demain. C'est un vrai porc. Hier soir en Mirror Ball, Caroline Cherry est tombée sur Douglas Marvel complètement bourré. L'ennemi juré du groupe The Space Cadet lui a fait des avances, mais Caroline l'a repoussé. Quand il a commencé à vouloir la toucher, elle l'a fait virer par la sécurité. Caroline n'a pas l'air perturbée par l'incident. Putain. Ah, c'est vous. Écoutez, je dois boucler un truc pour dans une heure. Alors, je suis un peu speed là, ok ? Le fil de l'alcool. Vous ne pensez pas que vous exagérez ? Ah oui, da. Niema problema. Hop, de la pub. Alors, on n'a pas rempli le palladium. Mais on a fait 17 000 thunes, c'est pas mal. On le remplit c'est pas encore. C'est la pire chose qu'on m'ait jamais dite. La journaliste Lola Hertz, de Radio FM est furieuse en entendant parler de l'attitude de Marvel envers Caroline Cherry. Apparemment, le même soir, il s'est permis de décritiquer ses goûts musicaux. Lola propose une émission en direct avec le groupe de Space Cadets et Douglas Marvel pour mettre fin à cette folie. Alors, je sais pas si ça va bien se passer du dessous. On va accepter, mais j'ai un petit peu peur. On peut pas aller au machin. On peut peut-être faire un café. Et ouais. De toute façon, il faut des sous. Hein. Le meilleur moyen d'avoir des thunes, c'est de faire des concerts. Ça rapporte pas énormément, mais c'est toujours ça de prix. Salut, mec. C'est... On est toujours un bon classement de vente. On va continuer... La réduction, là, sur une quinzaine de jours. Un peu moins, sur 10 jours. Ça coûte pas trop cher.
Ça permet de continuer d'avoir des ventes, c'est quand même bien. Mirror Ball, pas encore. Pas encore non plus. Il y a des gens avec qui ça ne passe pas. À la radio, le groupe se montre très brillant. Nice. Douglas Marvel s'exprime de façon incohérente avant de céder la parole aux membres du groupe. Il relate objectivement les attaques de Marvel et reconnaissent que leur musique n'est peut-être pas les plus originales, mais qu'elle est le fruit d'un travail passionné et honnête. Plus tard, vous apprenez que Marvel est en vacances prolongées et qu'il sera absent de City News pour une durée indéterminée. Oh putain, c'est le moment. Très bien. C'est le moment de faire organiser la promotion. Bien dit. Je peux faire un concert, putain, pas de faire de concert. Je pourrais faire un petit concert, là. Thanos a enfin tué Marvel. Ah oui, donc c'est fermé City News. Complètement. Ok. Bonjour, c'est moi que vous êtes venu voir. Toujours 8ème des coûts. Juste une journée. Depuis bas la radio. C'est toujours bien. Ah yes, on peut jouer au Mirror Ball. Article de Zero Magazine. Après l'émission radio, Zero Magazine publie un article très élogieux sur Can't Resist His Feeling, 4 sur 5. Il qualifie le disque de déclaration de guerre contre la mesquinerie et l'élitisme musical et ajoute une remarque pertinente sur la façon dont les critiques, comme eux, ont trop tendance à descendre les jeunes artistes. Yes. Mirror Ball, 17 000 balles, yes. You really drive me crazy. You really drive me under. Un happy end pour les Space Cadets. Merci. Et voilà, la victoire sur les Space Cadets. C'était pas facile. Heureusement, en vrai, que je me suis souvenu d'où était Sergueï. Un éclair de génie, un rappel. Je me suis rappelé où il était. Et ça fait la différence. Parce que je pense que si on l'a pas, si on n'a pas Sergueï dans la popoche, si on n'a pas les sous-sous dans la popoche, si on n'a pas la mafia dans la popoche, je pense que c'est un petit peu compliqué. Ça s'est super bien passé. Je suis extrêmement content. Le beau jeu. En tout cas, j'espère que... Ou pour être au court. Je rêve où mon GG est plus gros. Eh, j'avoue. Pourquoi il est plus gros? Ah oui, parce que t'as fait celui-là sur... t'as fait le... tellement gros. Oh, t'as fait le Can GG de... Comment ça s'appelle? De Franker Faizy. Et pas l'emote de sub. Voilà. Tout est résolu. Incroyable. Quel œil avisé, quel œil de lynx de la part de Shiva. C'est incroyable. Le top cheers, hein, on le rappelle. Merci à lui. Des bisous YouTube du coup et à très bientôt pour l'avant-dernière mission de Rock Manager. J'espère que ça vous a plu. Au revoir, à très bientôt. Goodbye. Oui.